À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi le grand débat? Depuis le mois d'octobre, le mouvement des Gilets jaunes est au cœur de l'actualité française. Chaque jour, le samedi surtout, des hommes et des femmes en gilet fluo se retrouvent pour manifester. Ils protestent contre les inégalités de richesse. Ils veulent aussi que le pays soit gouverné autrement. Le président de la République a pris des mesures, mais les manifestations continuent et les violences restent nombreuses. Emmanuel Macron a donc décidé d'organiser un débat national où chaque citoyen peut dire ce qu'il souhaite voir changer dans le pays. Quatre sujets ont la priorité. Les impôts, l'organisation de l'État, l'écologie, la citoyenneté. Et des questions sont posées. Par exemple, comment favoriser les énergies non polluantes? Ou encore, faut-il rendre le vote obligatoire? Tous les Français peuvent prendre part à ce débat, jusqu'au 15 mars. Comment? En participant à une réunion organisée dans sa région ou directement sur Internet. L'important est que chacun décrive ses mécontentements et propose des solutions. Le résultat de ces consultations sera analysé et le gouvernement s'en inspirera pour lancer des réformes. Ce débat sera-t-il utile? Les propositions des Français seront-elles entendues? Beaucoup en doutent. Pourtant, le défi est immense, car il est urgent que la colère s'apaise et que l'État retrouve la confiance de tous les citoyens. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.